Bonjour YouTube et bienvenue sur Choix d'Ovin. La recette de cette semaine, c'est pecania de veau cuite à basse température. La pecania, c'est un morceau de viande qui se trouve à l'arrière de veau ou de bœuf. C'est l'équivalent de rump steak selon la coupe française. Et c'est un morceau qui est super tendre s'il est correctement cuit. Je commence par nettoyer le morceau et enlever tous les nerfs qui se trouvent sur le bas. Sur le haut, j'ai rien à faire. J'assaisonne bien avec de sel et de poivre sur les deux côtés. Et puis, je place le morceau dans un sac sous vide que je ferme avec mon appareil sous vide. Une fois fermé, ça ressemble à ça. Je préchauffe mon thermoplongeur à 57 degrés. Et une fois l'eau est arrivée à température, je plonge le sac. Et là, c'est parti pour 6 heures de cuisson. Une fois la cuisson terminée, je peux conserver le morceau jusqu'à 3 semaines au frais. Et juste avant de servir, je sors le morceau de sac, je le sèche bien. Je fais chauffer une poêle avec un pot d'huile. Et une fois la poêle est bien chaude, je pose le morceau sur la partie grasse et je le laisse bien colorer. Voilà, ça doit ressembler à ça à la fin. Une fois bien coloré, j'ajoute une petite noix de beurre que je laisse mousser. Et une fois le beurre est fondu, je commence à arroser mon morceau de viande pendant 2 à 4 minutes. À la fin, ça doit ressembler à ça. Je garde mon morceau sous papier aluminium jusqu'à le moment de servir. Avec un couteau bien aiguisé, je commence à trancher mon morceau de viande. Et voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. La viande est super juteuse et très tendre. Je termine de trancher la viande en tranchant des belles tranches. À la fin, ça ressemble à ça. Et moi, je vais servir ce joli morceau de viande avec des légumes rôtis au four. Je termine par mettre un pot de fleur de sel et un coup de moulin à poivre. Et voilà à quoi ressemble le résultat fini. Bon appétit!